On aime tous les rosiers, pourtant ça pique. Ça pique, oui, mais c'est une plante sympa. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de fleurir du mois de mai jusqu'au gelé. Quelle que soit la variété, et c'est ce qu'on trouve le plus souvent, eh bien nous avons des rosiers qu'on appelle remontants. Remontants, ça veut dire que la sève remonte dans la plante et il fleurit ainsi plusieurs fois, donc de mai jusqu'au gelé. Alors il a deux floraisons importantes, on va dire mai-juin, et puis il reprend un petit peu en août. Mais pour que cette floraison soit la plus belle possible, eh bien, il faut faire un petit truc tout simple, c'est tailler les fleurs fanées. Pourquoi tailler les fleurs fanées? Parce que la plante en elle-même va vouloir faire ce qu'on appelle des cinredons, des fruits, pour développer ses graines. Voilà pourquoi elle fait des fleurs. Et donc, nous, notre boulot de jardinier, ça sera de couper ces fleurs fanées afin qu'elle en refasse de nouvelles. Alors, comment faire? C'est très simple, ça se fait pendant l'été, lorsque les fleurs sont fanées, vous allez prendre le sommet de la fleur, donc les fleurs fanées, qu'elles soient en bouquet ou en tige, et vous allez chercher la feuille qui contient 5 folioles, et vous allez descendre le sécateur jusqu'à ras de cette feuille. Et lorsque cette feuille, pas 3, hein, 5, et lorsque cette feuille sera trouvée, bien vous allez couper la tige fanée ou le groupe de fleurs fanées, vous allez le couper de façon à avoir un démarrage et vous verrez que juste au départ de cette tige, là où on a cette feuille, eh bien, une autre pousse va donner sans doute une nouvelle fleur. C'est pas bien compliqué, ça se fait pendant tout l'été. Ah, bien sûr, il y a tout le reste, évidemment, il faut l'arroser s'il s'agit d'une première année, il faut bien pailler le pied de façon à ce que le rosier soit protégé. Mais voilà, si vous pensez à faire cette taille, eh bien tout va bien, vous aurez les plus beaux rosiers du monde.